Si je te dis 61%, tu me dis quoi? C'est pas beaucoup. C'est énorme. Ah. C'est le nombre de gens qui regardent Fanzine mais qui sont pas abonnés à la chaîne. Mec, je suis pas abonné, moi. Abonne-toi. Je m'abonne. Abonne-toi. Swipe. Comment les rushs? Oh là 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 là. La pêche. J'ai l'impression de... Tranquille. Antonio Banderas est dans la place. T'as capté? El mariachi. Esprit Noir, comment ça va? Ça va et toi, Max? Écoute, on est ravis de t'accueillir ici. De même. Ça faisait, on va pas se cacher, très longtemps que je te demandais de venir. C'est et vrai, donc, c'est je suis vraiment content que tu sois venu. Charmé, mon gars. Je te présente Cicole. Yes, sir. Tu vas bien? Ouais. Alors ici, c'est simple. On veut tout savoir sur ton parcours musical. Ok. Alors, ça commence comment? En vrai, ça commence en 2005. Je viens d'obtenir mon bac. Je me bouge aux États-Unis. Récompense du ah bac. Ouais. Ouais, je bouge et tout. Je suis à Washington, chez mes cousins. Et je reste 3 mois là-bas et je commence à regarder BET. C'est le début de BET. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, carrément. Et du coup, je regarde BET et je me mange toute la culture américaine. Vraiment, de l'intérieur, tu vois. Même si j'écoutais déjà du son et tout. Et je commence à gratter, en fait. Tu vois, dans les clips. Ton premier rapport à la musique, c'était quoi? Avant tout ça? Avant les States, avant tout? Je te dirais la radio, ma chambre, la radio. Tu vois, à l'époque, t'avais une télé pour un foyer. Donc, du coup, ma daronne a regardé ces trucs à la télé. Et moi, je me retrouvais... j'avais pas le droit de regarder la télé le soir. Donc, je me retrouvais dans ma chambre et j'avais mon petit poste radio. Ça me permettait de m'évader, tout ça. Donc, j'écoutais grave la radio. Et à l'époque, tu sais, tu faisais tes cassettes. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, je passais grave du temps à faire mes cassettes et justement à écouter les morceaux parce qu'il me fallait le morceau du début à la fin. Donc, du coup, quand je ratais un morceau, j'attendais au moins une heure pour qu'il repasse, etc. et faire ma cassette. Donc, c'est ça mon premier rapport. Vraiment, vraiment, ça a été ça. Ouais. T'enregistrais direct des trucs qui étaient du rap ou. Il y avait tout, il y avait peut-être même des trucs dont t'as un peu honte. Non, j'ai pas honte. Franchement, j'ai pas d'honte. Non, j'enregistrais tout. Hein. Je passais de radio en radio. Je pouvais être sur Ado, sur Sky, France Inter, parce que j'aimais bien France Gall, tu vois. Ouais. Ouais, je kiffais France Gall. Incroyable. Ouais, j'étais en colo et il y avait quelqu'un, il avait un CD de France Gall. Donc, du coup, je tournais avec à fond. Et ouais, j'enregistrais tout. Du R&B, beaucoup d'R&B aussi. Américain, français ou les deux? Les deux. Les deux. Mais plus américain. Je te mens pas, j'étais plus State et tout. À l'époque, Brandy, les trucs. Pareil. t'es bon. Ah, c'était trop chaud. Il y avait trop de bêtes de son. Et du coup, ouais, c'est ça. Hein. Enregistrer des cassettes pour avoir les meilleures cassettes, pour pouvoir après dire à tes potes, ah, sur ma cassette, j'ai ça. Tu vois. Et est-ce qu'il y a un moment où ça switchait, où tu t'es dit, j'aimerais faire de la musique ma vie? Non, jamais. Jamais? Jamais. On va dire, dernièrement, c'est quand j'ai eu mon disque d'or, j'ai dit, ok, je vais faire de ma vie la musique. Waouh, ça a été ça le déclic? Ouais, c'est ça. Incroyable. Avant ça, non, je fais de la musique parce que je kiffe, c'est tout. Parce qu'avant ton disque d'or, toute la France te connaissait déjà. c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais je gagnais pas d'argent, tu vois. D'accord. Je gagnais de l'argent, mais je gagnais moins que ce que je faisais en dehors. D'accord. Donc, pour moi, je ne pourrais pas me dire, ouais, ok, vas-y, ça y est, je vais devenir rappeur ou musicien ou je ne sais quoi. Non, non, j'étais en mode, tant que ça ne me rapporte pas plus que ce que je fais, que mes activités, je ne peux pas me mettre dans ça. Tu vois, c'est d'accord. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a un morceau, alors pas qui t'a donné forcément envie de faire de la musique, mais qui t'a fait dire que c'était un truc qui allait devenir vraiment ta passion? Franchement, Ligue majeure, je me suis mangé une baffe, tu vois, parce que je commençais à être dans une école de technique, tu vois, j'écoutais que des rappeurs techniques, que des rappeurs assonnants, et lui, c'est un mec du 20e, de Ménilmontant, et moi, j'habite à Porte de Ménilmontant, ma cité Fougères, c'est Porte de Ménilmontant, donc lui, c'est un mec du 140, c'est quoi, ça a même pas 500 mètres, tu vois, et vas-y, j'écoute, c'est un mec du 20, faut que je rappe avec ce mec-là. Il est tellement incroyable. Ouais, trop chaud. Et du coup, j'ai commencé à écouter et ouais, je me suis mangé Ligue majeure. Plus petit, t'écoutais X-Men aussi? J'écoutais. Et quand je me suis mangé Ligue majeure, je dis, il faut que je sois au niveau. Il faut que je sois dans ce niveau-là. Moi, je vais t'avouer que Gilles, parce qu'il s'appelle Gilles, ouais, c'est un peu la famille. Si. J'ai eu la chance de faire des choses avec lui, de le rencontrer grâce à Xavier, que j'embrasse, et à Didier, qui sont ses cousins. Yes. Si on faisait Ligue majeure, let's go. Direct. Un hommage à Gilles. Ouais, Gilles, il le gît. Let's go. Attends, je vais mettre mon petit tac.
J'ai fait un somme sur mes lauriers, et alors des bonnes sommes sur mon oreiller, des buis multicolores, des voitures rapides, des femmes qui disent oui, des poloriers, des carreaux sur les manches. Le mal exige du platine, de mon poignet à ma hanche. Bref, un style à la française, mais rien ne va plus, une bête étrange a rayé mon auréole et tout est devenu trop réel. Ma fille aux autres, je raconte à peine la moitié de ma vie aux autres. Je suis so-so, parano, mieux vaut être Tyson que Chozo. Controversé comme Dieu d'eau, faire de vieux os, mourir jeune, je ne sais plus. Tirer sur le piso, juste pour un sourire jaune, ou celui d'une femme niaise, ou un dièse qui tourne mal. Rap grisillé, en tout cas fini la sieste en Ligue majeure. Bienvenue dans la Ligue majeure, man. Souvent le rap est comme au majordome. Il n'a qu'à nettoyer ma Air Jordan. Oui, je suis ce genre d'homme. Bienvenue dans la Ligue majeure, man. Souvent le rap est comme au majordome. N'a qu'à nettoyer ma Air Jordan. Oui. Est-ce que tu nous vois? You vois, roulant à une vitesse non autorisée. Mes gars motorisés, moi, l'autorité nous vous voit. Si je manque la très haute autorité me foudroie. Nous sommes les plus vrais, plausibles, on va tout droit. Service volé coup droit. Ah, pousse-toi, couche-toi comme aux cartes. Écoute-moi, c'est pas un bluff. Non, je ne t'écoute pas quand tu me dis que ce n'est pas un keuf. Une meuf, je ne la touche pas. Si elle n'a pas de seuf, pourquoi? Pas. J'ai mes propres goûts, ghetto bourgeois, rap rock, pop star, crack top, coke et star. C'est notre histoire depuis l'Egypte. Retrouve-nous en Rolls ou en roster devant le drugstore. Les bitches après les chiffres, on triche pour être riche. Une odeur de Marie-Jeanne, ma compagne de Paris, Roissy, Charles de Gaulle jusqu'à Marignane. Bienvenue dans la Ligue majeure, man. Souvent le rap est comme au majordome. Il n'a qu'à nettoyer ma Air Jordan. Oui, je suis ce genre d'homme, bah ouais. Bienvenue dans la Ligue majeure, man. Souvent le rap est comme au majordome. Il n'a qu'à nettoyer ma Air Jordan. Oui, je suis ce genre d'homme. Faut tous applaudir, Esprit Noir. Incroyable, ouais, incroyable. Trop chaud, putain, charmé mon gars. Franchement, archi technique ce ouais, texte. Les placements, tout. On voit que t'as vraiment étudié aussi. Ouais, de fou, vraiment. Tu sais, il fait des effets miroirs dans ses assonances. Tu prends une phrase, c'est assonne avec la phrase d'avant. Je sais même pas si ça se dit assonne, mais en tout cas, voilà, tu vois, il y a des reflets partout. C'est un scientifique. Scientifique, ouais. Du son, exactement, ouais. Exactement. Bah d'ailleurs, un peu comme toi. Ça me fait plaisir. Franchement, honnêtement, on sait tous que Esprit Noir est ultra technique. Ouais, on essaye en tout cas. Ouais, ça, c'est pour moi, c'est mes professeurs, tu vois. Lui, Nubissal aussi. Tu vois, c'est les professeurs Salif. Ouais. C'est des gens, je kiffe de ouf, tu vois. Clairement. Salif, d'ailleurs, qui a été un peu comme Gilles, d'ailleurs, très sous-coté, je pense, à l'époque où ils sont sortis et qui sont revenus beaucoup plus tard parce qu'il y a toute une génération dont tu fais partie, qui, en fait, on dit, mais il faut mettre du respect sur leur nom. De fou. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est une question de respect ou juste que c'est... les gens n'étaient pas attentifs à ça. Ouais, c'était peut-être pas prêt. Tu vois, parfois, quand t'es trop en avance, trop technique et tout, pour la masse, parfois, c'est une question de timing aussi. Clairement. Mais c'est des grands professeurs du rap et ils sont trop chauds. Vraiment, le grand respect à eux. Ouais. Et alors, j'en reviens à ce que tu me disais tout à l'heure. Tu vas aux États-Unis, ouais. T'écoutes BET, ouais. Et là, tu commences à gratter. Ouais, je commence à gratter, ouais. Je commence à gratter mes premiers avec tests. Tout ce passé, justement, de toutes mes influences que j'ai écoutées, tous les trucs et tout, et je commence à faire mes premiers textes. Après, je rentre en France. Il y a mon cousin qui me dit, « Ok, mec, j'ai une séance studio. » Oh, genre séance studio, genre studio. Il me dit, « Ouais, studio, comme au State. » Tu vois, moi, c'est que des States. Donc, j'imagine même pas qu'en France, il y a ça, tu vois. Pour moi, c'est les grandes stars qui vont en studio. Et il me dit, « Ouais, et tout, avec un ingé, tout ça. » Je suis impressionné de ouf, tu vois. Je vois les machines, les trucs, les consoles. Et vas-y, je commence à poser. Et dans ma tête, je pose pour poser avec les mecs des States. Donc, je pose comme un mec des States, rapide, avec des voix bizarres et tout, tu vois. Et du coup, ouais, c'était marrant. Là, j'ai réécouté mon DJ, il a retrouvé ce son-là. C'est hyper émouvant les premières fois. J'ai l'impression qu'on est toujours à la chasse de cette première fois derrière. Ouais. Bah, parce ouais, qu'il se passe un truc tellement magique. Tu découvres et puis il n'y a pas de... C'est, tout est spontané. Et alors, tu enregistres tes premiers sons à ce moment-là. Ta carrière après, plus ou moins, pour les gens qui ne connaissent pas, mais nous, on sait par où tu démarres et qu'en fait, tu as fité avec tellement de gens, tu as fait tellement de rencontres, tu as influencé tellement
de jeunes artistes aussi, putain, de la nouvelle génération. Est-ce que dans tout ça, il y a un morceau qui aurait changé ta carrière? Ouais. Bah, là, franchement, je te dirais La Nuit. Hein. Ça a été pivot? Ouais, ça a été pivot. Pourquoi? Il y en a plein, il y en a plein, tu vois. Mais celui-là, c'était en 2014 que je l'ai fait. Je l'ai sorti peut-être en 2015, si je ne me trompe pas. Et en fait, ce morceau-là, en fait, il ne devait jamais sortir. Ah ouais? Ouais, parce que les couplets, je n'étais pas satisfait. Tu vois, je n'étais pas satisfait. Pour moi, c'était beaucoup trop simple. Tu vois, on parlait de « et » et tout. Trop simple, trop… Ouais, laisse tomber. Et du coup, c'est mes gars qui m'ont dit « Non, non, mec, c'est mort. » On ne laisse pas passer celui-là. Ouais, celui-là, il faut le sortir et tout. Je n'étais pas down avec ça. Quand on se retrouve avant le projet, donc on a plein de morceaux, et je me retrouve à voir Vladimir Budnikov pour clipper. D'accord. Tu vois? Donc Vladimir qui s'occupe du side, Aya, voilà, j'en passe. Et à l'époque, il faisait beaucoup de clips, et des clips trop chauds. Et je me retrouve avec lui et Mo Black, tu vois. Il lui fait écouter des morceaux. Je lui fais écouter les morceaux que je veux clipper. Il me dit OK. Et il lui fait écouter La Nuit. Et en fait, il dit, moi, je veux clipper La Nuit. Il dit, et ça démarre de là, en fait. C'est fou, hein. Ouais. Ça prouve vraiment que des fois, on n'a pas le recul nécessaire et que c'est bien d'avoir une équipe, quoi, ou des gens, des avis. De fou, de fou. Ouais, shout-out, gros shout-out à toi, ah ouais, mère. Franchement. On peut le remercier. De fou, de fou. De fou, de fou. Et à Mo Black Exa aussi, qui ont poussé le truc pour que je le sorte. Et puis, je le sors. Et là, il se passe un vrai truc. Genre, je m'en souviens. Le public, il kiffe. Je suis égaré, moi. Je suis égaré. Je me dis, mais c'est chaud. C'est quoi le délire? Et voilà, et jusqu'à maintenant, les gens, ils m'en parlent. Et jusqu'à maintenant, je joue en concert. Et au final, c'est un kiff. En fait, je kiffe ce morceau de ouf. Alors, moi, je sais, parce que je regarde beaucoup d'interviews de toi et que je te suis depuis longtemps. Je sais que t'aimes bien Londres. Ouais. Je sais que t'aimes bien le UK. De fou, de fou. Est-ce qu'on ferait pas une version UK de ce titre? Let's go, je suis chaud. Complètement inédite. Je suis chaud. Allez, vas-y, on fait ça. Step to buy. Ah ouais, grave. Vas-y, je suis chaud. Petit, je pense qu'à mes sauces, à faire du cash en été, à traîner tard dans des halls, on voulait tous faire du play. En vrai, je me faisais du pain, la rue me faisait du bien. En école, je suis dissipé, même si ma mère m'a bien éduqué. Moi, je rêve de foot et de cross, je réponds mal à mes profs, mes appréciations sont pauvres. Du coup, je me mangeais des baffes. Maman me disait, tu sais, fils, si t'es absent en classe, tu finiras dans la rue, raconter les gens qui passent. Je veux pas que la police stock ici, sinon je t'arrache la peau. Mais moi je me crois vif, j'anticipe. Je suis en plein crise d'ado. Fini les claques et les cris. Maman me prendra mes clés. Ce soir je dors sur le palier. Parce qu'à la base, rien dans les poches, je voulais voler. Maman me disait non, non. Petit va à l'école pour décoller. Mais moi je disais non, non. La base est remplie d'ennemis. Sous ton je ne peux éviter la prise. Et je me rends compte que c'est dur, que la vie est un choix, qu'une amitié se brise et qu'une garde d'âme dure un soir. Parfois je doute et picole, simplement pour oublier. Comment faire pour oublier? Ma mère se doute de mes bricoles au détriment de mon père. Moi c'est la nuit que je perds. Pour acheter je me dois défendre. La police viendra me prendre. Maman a sûrement raison. Je me dis au fil des saisons. Parfois je regrette l'école. Le lendemain je décolle. Là je te plante mes negrés. L'erreur nourrit mes regrets. Je dirai donc à mon fils que à la base rien dans les poches. Je voulais voler. Maman me disait non, non. Petit va à l'école pour décoller. Mais moi je disais non, non. La place est remplie d'ennemis. Je disais non, non. J'ai grandi maintenant. Hey, fais-moi confiance, j'ai un plan. Hey, rien dans les poches, je voulais voler. On peut tous applaudir Esprit Noir encore une fois. C'est une dinguerie. Aïe, aïe, aïe. C'est une dinguerie. C'était un petit peu dans le délire à Londres. C'est totalement. Ouais. Totalement. J'ai kiffé. Même dans le délire un peu des slimes, tu vois, les Young Thug, Gunna et tout. J'ai kiffé le mélange. Eh, c'est chaud.
Ah, c'est chaud. On est ravis d'avoir fait ça avec toi. Ah ouais, chaud, chaud, chaud. Peut-être un jour sur scène. Direct. Ouais. C'est pas peut-être. Direct, si vous êtes... Si ça foire, c'est que c'est eux, ils sont pas... Ils ont regardé. Moi, j'ai dit direct, direct. C'est noté, tout le monde l'a noté. Voilà, c'est noté, c'est noté. Tu parlais de Gunna, tu parlais de Young Thug. Mm-hmm. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que t'écoutes actuellement? Ah, actuellement, j'écoute plein de trucs. Hein. Franchement, je te mens pas, j'écoute vraiment plein, plein de trucs. Après, je me mange en artiste français, je me mange Hamza. Enfin, en francophone? Ouais, en francophone, ouais. Ouais. Jusqu'à dans ma tête, je me dis c'est un français. Ouais, non, ouais, c'est, ouais, un ouais, c'est vrai. C'est un belge, c'est un belge, ouais. Artiste francophone, ouais, j'aime bien Hamza, j'aime beaucoup Hamza. Ouais. Il est incroyable et en fait, on... enfin, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'en fait, il est là depuis toujours. Mmh. Alors qu'en fait, il est là depuis 5-6 ans. Mais c'est vrai que c'est, ouais, long aujourd'hui, c'est presque une moitié de carrière, presque aujourd'hui, ouais, tellement on est obligé de faire deux choses. Ouais. Mais c'est vrai que Hamza, à chaque fois qu'il sort un projet, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus attentifs, ouais, et qu'il nous déçoit rarement. En fait. Non, il est chaud, tu sais, même en termes de ce qu'il ramène. Tu vois, moi, je t'ai dit, je suis calé beaucoup sur la mélodie et tout. J'ai beaucoup écouté de mélodie, tu vois. Ouais. Ça m'a vraiment formé. Même si ma première expression, ça a été le rap pur et dur, technique, etc. Tu vois, kickage, machin. Mais j'ai toujours eu de la mélodie dans mes oreilles, de par mes origines africaines, de par ce que j'écoutais, etc. Et mon orientation sur le R&B aussi. Et lui, je pense que lui, c'est un mec aussi comme ça, tu vois. Et je trouve qu'il ramène des flows. J'aime vous bien êtes, ça. Tous les deux, vous êtes des Américains. Ouais. Ça serait bien qu'on fasse un truc, tu vois. On devait faire, mais vas-y, t'inquiète. J'attends ça fort. On va essayer de mettre ça en place. Hamza, tu connais. Est-ce qu'on serait pas un morceau d'Hamza? Ouais, direct. Tu voudrais faire quoi? Moi, je serais chaud pour Mini 13 avec Christine and the Queen, qui est aussi une personne que je kiffe de ouf musicalement, tu vois. On adore. Qui est extraordinaire, qui a vraiment plein d'influence, tu vois, pour le coup. Et je pense qu'elle en a même certaines qu'elle n'a pas mis en avant et que, ouais, les gens ne soupçonnent même pas. Mais le morceau avec Hamza, tu retrouves ce truc-là, tu vois. Minuit 13, c'est, pour moi, c'est masterpiece. Et en plus, pour la postérité, ça termine avec Oxmo. Fin... T'as capté ? Masterpiece. Pour moi, ça, c'est un morceau, tu l'écoutes aujourd'hui, tu l'écoutes demain, tu l'écoutes quand t'es vieux. Clairement. Ça vieillit pas, ça bouge pas, tu vois. Est-ce que ça te dirait que je sois un peu ta Christine aujourd'hui? Mais écoute, vas-y, tranquille, je t'ai capté. Je te fais les corkis et je te laisse Hamza. Vas-y, let's go. C'est let's parti. Go. Vas-y, lourd. Change your heart. Look around you. Change your heart, it will astound you. Hey. Minuit 13, dans le noir comme les autres soirs. Pour le croire, baby, faut le voir. Rockstar, non side, et je viens pas d'autre part. Quand je dis que je viens pour prendre mon chèque, je fais vraiment. Quand je dis que j'ai pas confiance en toi, je pense vraiment. Je peux pas aimer tout en faisant semblant. T'es le diable dans une tenue élégante. Je mets la cagoule élégante. Puis t'as jamais, jamais, jamais cru en moi. Love, j'ai jamais, jamais, jamais vu en toi. Maintenant tu ferais mieux de la fermer et apprendre. Mon cœur n'est pas à prendre. Oh, oh. Puis quand la nuit tombe, faudra faire attention. J'bois tellement de haine que j'en perds l'intention. Puis en toi en coin, je ne voyais pas si loin. Maintenant tu apparais pour demander ce qu'on devient. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. J'essaie, tous les jours le job m'essaie. Ma paix avant tout ce train, ma famille avant ma paix. Je me confesse à Dieu, pardonne-moi et pardonne-les. Si tu veux nous shooter, shoot nous de près. Yeah, yeah, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu fais comme si on se connaît, mais je t'ai jamais vu mon frère. Ta main dans le cœur et la monnaie dans la tête. Yeah, 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 yeah. Big boss, good cross, pas de bluff, yeah. Non-stop, fucked up, rien de neuf, yeah. Sauce God, oh my God. Sur la Northside, sur le boulevard, dans le bloc, yeah. Bitch, quand la nuit tombe, faudra faire attention. J'bois tellement de Henny que j'en perds l'intention.
Les enfants en coin, je ne voyais pas si loin. Maintenant tu apparais pour demander ce qu'on devient. Applaudissement total pour être pris noir. Si, si. Incroyable. Ouais, chaud. Quel écoute, morceau. On va te confier la fin de l'émission. Okay. Fais ce que tu veux. Et ok, d'accord. Vas-y, on va faire Hacienda. Hein. T'as vu que je viens de sortir il n'y a pas très longtemps. Parce que ce qu'il faut rappeler aux gens, ouais, c'est que toutes les deux semaines, tu sors un nouveau son, un nouveau clip. Exactement. Tu un régales marathon. De malade. On essaye, on essaye. Le marathon. C'est un vrai marathon, quoi. Ouais, comme qu'il faut suivre, absolument. Ouais, bah ouais, carrément. Et en plus, c'est que du plaisir, tu vois, avec des gens plus ou moins connus. Tu vois, il y a aussi des gens que je mets en avant. Tu vois, il y a un mec de mon quartier qui s'appelle Goya, qui est archi fort. Il y a Sean aussi qui est en train d'arriver, qui, je trouve, a une vibe extraordinaire. Ouais, très, très chaud. Voilà, il y a eu RK, Dayuzi, Gazo. Ah ouais. Voilà, c'est incroyable. Ouais, franchement, c'est fou. En fait, je pense que vraiment, mais tu le sais, les gens ont envie de faire des choses avec toi, je pense. On est d'autant plus contents de t'avoir ici. Normal, ouais, franchement, ça fait plaisir. Ouais, moi, après, t'as vu, la musique, pour moi, c'est du partage. Et j'aime bien, tu vois, là, c'est un concept qui est neuf. Je pense que tu peux regarder, il n'y a pas eu ce concept-là. Et moi, j'aime bien aussi ramener des nouveaux concepts, une nouvelle manière d'écouter la musique. C'est surtout ça, tu vois. Ça me permet de vraiment défendre chaque son. Tu vois. Grave. C'est comme si c'était un projet de 10, 11 sons. Mais au lieu de le donner en bloc, bah, là, tous les 15 jours, je sors un truc et je peux le défendre à fond. C'est génial. Parce que pour moi, c'est important que chaque son soit mis en avant, tu vois. T'es en train de prendre une direction d'une nouvelle manière de promouvoir sa musique. Exact. Et même en dehors de la promo, c'est de faire de la musique, en fait. Ouais, exactement. Et de l'écouter aussi, ouais, tu vois, pour l'auditeur. Parce que je pense que l'auditeur, aujourd'hui, il a plein de trucs, ce qui est charmé. Mais du coup, bah, t'as moins le temps de te concentrer parce que direct, il y a déjà un autre truc qui sort direct. Et donc, il peut se concentrer sur les sons qui sortent, tu vois. C'est comme un shonen. Faut attendre le scan. T'as capté. Exactement, t'as tout capté direct. Eh bien, écoute, on va faire Hacienda. Let's go. Et je suis dans la sienne d'ombre, avec des rebeux qu'ont la moustache des cigarios. Je veux mon cigarijo des putains, mais comment t'as fait pour rater le putain? On repart avec le putain, la pétasse, que ça les clés du Max T. Hein? Adios! Et je suis dans la sienne d'ombre, avec des rebeux qu'ont la moustache des cigarios. Je veux mon cigarijo des putains, mais comment t'as fait pour rater le putain? On repart avec le putain, la pétasse, que ça les clés du Max T. Hein? Adios! Dans la sienne d'ombre, avec des rebeux qu'ont la moustache des sicarios. J'suis mon cigarijo des putains, mais comment t'as fait pour rater le butin? Les ballons de coca étaient pourtant dans la surface. Dis-nous qu'est-ce qui se passe, fais un compte rendu, sinon on t'efface. Yamaha CZ, j'suis toujours au quartier, payé par quartier. J'encaisse ses chèques, et les billets froissés. Petit, y'a pas de croissant, t'es pas une montagne, on va se croiser. Petit, y'a pas de croissant, t'es pas une montagne, on va se croiser. On avait des lamettes de shit sous la chaussure, on se repose seulement sur les chaussures. On peut taper ta tête sur la chaussée, pétasse enlève ton bas pour nous saucer, ok. Cherche pas, on a compris tous les process. Ego, on tient toujours nos promesses. Demande à tous ceux qui nous connaissent. Hey, oh, reste, go. J'suis dans le 7, 5, go. J'ai flow face, métaphore allégorie. Tu peux nous ramener tous tes gorilles. On n'est pas des négros des forêts, on sait gérer la pression, le pori. Hey. Avec des rebeux qu'ont la moustache des cigarios. J'veux mon cigarijo des putains, mais comment t'as fait pour rater le putain? On repart avec le putain, la pétasse, que ça les clés du match day. Hein? Adios! Et j'suis dans la sienne d'ombre. Avec des rebeux qu'ont la moustache des cigarios. J'veux mon cigarijo des putains, mais comment t'as fait pour rater le putain? On repart avec le putain, la pétasse, que ça les clés du match day. Hein? Adios! Adios! Salopard! Cabron! si. Incroyable, merci vraiment pour tout. Merci à toi, mon rêve. Franchement, charmé. Ouais. Et quelle prod de Cicole derrière. Merci. Si, tu as fait un truc hallucinant. Non, du bruit pour l'équipe, quand même. C'est ouf. Si. Bravo. Et je sais pas si tu regardes l'émission. Je regarde. On termine toujours l'émission en danse. Ouais, je sais. Oh, c'est là. Yeah. Oh, okay. Sacrée tenue. Ouais. Il a la combi, j'ai la combi aussi.
Écoute, on a tous la combi, moi. Exceptionnellement, j'ai eu la combi aussi. Si, si. Alors, est-ce que tu as un petit pas de danse à nous apprendre pour qu'on brille en soirée? Un petit pas de danse? Ouais. Wow, les gars, vous êtes chauds. Hein. Un petit pas de danse. Tu sais faire le... Hein? Wow. Ah. Attends. C'est une variante. Ok. Vas-y. Regarde. Non, la bosse tout seul, là, en fait. Ok. Waouh. J'ai l'impression que c'est à la fin d'un... Ouais, tu vas après, tu fais ta sauce, tranquille, tu vois. Tranquille. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, avec toi, tout est tranquille. Mais tu sais que c'est une dinguerie, parce que tu vois ça, là. Je taillais avec mes potes. Je disais, ah ouais, ça, c'est les ambiances dans les boîtes de nuit sombres. Je te jure. Merci en tout cas, l'ami. Merci à toi. Merci. De faux.